La Chine fait face à un avenir incertain. Une nouvelle génération de dirigeants est arrivée au pouvoir, alors que la corruption généralisée et les abus en tout genre affaiblissent leur autorité. Aujourd'hui, un célèbre militant pour les droits en Chine a adressé son appel aux nouveaux grands dirigeants chinois. Exilé à New York depuis le printemps dernier, le défenseur des droits de l'homme Chen Guangcheng a adressé un message au nouveau dirigeant chinois Xi Jinping sous forme d'enregistrement vidéo. Dans ce message, le militant non-voyant prévient Xi Jinping que ses actions vont déterminer l'avenir de la Chine. Il l'a appelé à apprendre des dirigeants de la Chine ancienne qui considéraient leur accession au pouvoir comme un don des cieux. Xi Jinping, 先生, 全国上下都看着你了，是顺天应民，实行变革。 Dans son message enregistré, Chen Guangcheng énumère plusieurs des nombreux crimes monstrueux commis en Chine aujourd'hui. 违反人性和民意的暴力寄生依然广泛存在，这颠覆了人命关天的传统理念。 Chen Guangcheng a adressé la fin de son message au peuple chinois. 国内民众更应明白，必须团结起来，自己的权利。 只有靠我们自己去努力争取才能获得，不断用行动维护，并建立起合理的社会制度，才能长久。 Chen Guangcheng est célèbre pour s'être opposé à la politique chinoise de l'enfant unique. Il a fait les gros titres de la presse en avril dernier après s'être échappé de sa résidence surveillée avant de trouver refuge à l'ambassade américaine à Pékin. Avec l'aide du gouvernement américain, lui et sa famille proche vivent aujourd'hui à New York. Depuis son installation aux États-Unis, Chen Guangcheng a appelé les autorités chinoises à ne pas réprimer les membres de sa famille restés en Chine. Mais vendredi dernier, un tribunal de la province du Shandong a condamné son neveu, Chen Kegui, à plus de 3 ans de prison pour avoir blessé 3 responsables qui avaient pénétré illégalement dans son domicile après la fuite de Chen Guangcheng. Chen Guangcheng a dénoncé cet emprisonnement qu'il considère comme une revanche des autorités après sa fuite aux États-Unis. Nouvelle NTD.